Voilà, donc j'ai découpé les quatre morceaux. Donc, c'est des petites étiquettes classiques, hein, voilà. J'aime bien ceux-là, c'est le plus basique, je pense. Celui-là aussi. Ah, il y a la colle qui est restée dessus. Parce qu'en fait, j'ai pas. Je vais vous raconter. J'ai pas défait le dies du support. Je l'ai posé comme ça sur mon papier. J'ai découpé le dies avec son support. Voilà. Bref. Je vais prendre de l'encre. Et je vais me préparer des mini étiquettes. Donc voilà, je vais me mettre un petit papier juste pour poser, vous voyez, pour pas que ça aille sur mon tapis. La base, le tapis, c'est pour protéger le bureau, mais moi, je protège mon bureau qui protège mon tapis. Allez comprendre. Bref, j'ai pris de l'encre. Alors là, j'ai pris de la Distress Ink. Et je vais faire toutes mes petites bordures. Alors, je crois pas que ce soit celle-là que j'avais pris habituellement. Non, c'est pas celle-là que j'avais pris. Attendez. Je vais chercher l'autre. Je me suis trompée. Voilà, c'est la Oxide. Ah, bah ça va. Hein. Tranquille. On peut se tromper. On a le droit. Donc, ça, hop. Donc, je vais recommencer. Alors, je sais pas, en ayant mis une première couche de Distress Ink. Que ça va faire, mais des fois en séchant ça ressort. Voilà pour la première. Ouais, ça ressort un petit peu, c'est vraiment léger, mais vraiment quand ça sèche ça ressort, je viens de le dire, mais c'est pas grave pour tous ceux qui m'écoutent pas. Je répète, hop, j'en mets partout partout sur les contours. Voilà, hop, et la petite dernière. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre sur ces toutes petites étiquettes? Vraiment, c'est tout petit. Et là, je me suis dit dans ma petite tête que j'avais des tout petits machins qui pouvaient très bien aller pour ça. C'est les petits cutcutous. Je ne sais pas comment on le dit correctement. Ce sont les tout petits. Les tout petits die cuts de Sandrine Baissan. Voilà. Et elle fait. Alors, si vous entendez du bruit, c'est Snowy qui se fait de la place dans mon coin tri. Bref. Donc, c'est des tout petits, tout petits, tout petits die cuts. Et vous voyez, là, par exemple, il y a une étiquette. Est-ce que. Voilà. Ben, je vais pouvoir mettre l'étiquette dessus déjà. Vous voyez? Ça la fait bien ressortir. Ça, je vais le mettre, c'est sûr. C'est une petite vidéo juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les petites étiquettes de chez Ali. Hein. Je crois que je vais m'en préparer plusieurs des petites étiquettes comme ça et pour mettre dans un tout petit mini album. Ça va être chouette. Ça va être trop trop chouette. Vais essayer de le centrer quand même. Vous voyez, peut-être je vais rajouter des demi-perles, des machins après. Pourquoi après? Je peux le faire maintenant. Bah, c'est ça mon un de mes, parce que j'en ai pas que un. Un de mes gros défauts, c'est de me dire bah je le ferai plus tard. Maintenant, fais-le tout de suite. Donc ça, il me semble que c'était Stéphanie qui m'avait envoyé ça. Et je les ai gardés sur le côté et je vais me les utiliser. Me les utiliser. Une petite demi-perle ici. Voilà. C'est pas grand-chose, hein, mais moi je trouve que c'est adorable. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Ça, j'en ai peut-être plus besoin. Ma petite, peut-être parce que avec le tapis, vous voyez pas grand-chose. Ouais, là, ça ressort mieux. Allez, on va les laisser comme ça. Je vais chercher une petite déco. Bon, je vais pas tout mettre que des tickets, hein.
Ça, c'est bien sympa, là. Ouais, le petit machin, là, je vais peut-être le garder. Des fleurs, ça peut être bien aussi au milieu. Je fouille. Hein. La petite souris, là, qui dépasse, ça serait pas mal. Éventuellement, je peux faire une carte après avec. Hein. Hop. Elle est en train de manger du carton. Bravo. Et là, il faudrait que je m'en trouve un à rajouter. Oh, bah, ah non, là, c'est déjà marqué cirque. Je vais pas remettre encore cirque. Le petit rond, là. Ah, mais elle est dans la même pose. Bah, je vais chercher une autre pose. Hop. Ah, oui, il y avait le petit... Non, je vais faire ça. Hop. Voilà, je vais faire comme ça. Hop, je vous approche. Ouais, je vais les coller comme ça. C'est tout bête, mais vraiment, ça fait son petit effet. Et j'ai envie de vous dire, sur une carte, sur une page d'album, sur tout ce qu'on veut, quoi. Donc, ce n'est pas un nénuphar, on m'a dit que c'était plutôt une fleur de lotus. Et je pense que oui, c'est plutôt une fleur de lotus. Quand j'ai fait la découverte du papier, j'ai dit durant un nénuphar, mais c'est pas un nénuphar. Ben oui. C'est alors ça pouvait pas mieux tomber, hein, regardez. C'est pile poil la taille sur le petit la petite découpe là. Hop, je vais mettre une demi-perle à chaque fois aussi, comme ça sera bien coordonné, moi j'aime bien. Est-ce que je mets au milieu ou sur le côté? Bon. On va mettre sur le côté du milieu. Ouais. Hop. Et la petite souris. Alors, elle, faut peut-être pas que je mette de la colle partout. Voilà. Hop. Voilà. Et je vais rajouter. Vous voyez, il y avait celui-ci, celui-ci. Enfin, bon, ça fait 4. Alors. En juste faisant 3 collages, 4 collages, c'est vraiment sympa. C'est petit, j'aime beaucoup. Je vais peut-être faire un mini album. Faut que j'attende que ça colle aussi, hein, parce que des fois ça colle pas tout de suite, tout de suite. Faut bien appuyer dessus pour que ça colle les petits machins comme ça. Des fois ça rabique un peu et ça fait pas très joli. Et là, je vais le mettre où, ma demi-perle là sur celui-ci. Où ça, où ça, où ça? Allez, en bas, allez. Non, c'est pas terrible en bas. Je vais le décaler un peu. Hop. Et ben, j'aime beaucoup. C'est simple, il n'est pas plus simple. Hein. Là, il y a un fil de je ne sais quoi. Ah, c'est un poil à Snowy. Hop, je vous les mets comme ça. On peut pas faire beaucoup plus simple, hein, j'ai envie de vous dire. Mais des fois, c'est les trucs les plus simples qui sont les plus jolis. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses et des caisses et des caisses. Voilà, bon, je vais me préparer tous mes petits machins là. Je crois que je vais en faire d'autres et je vais faire une carte avec, hein, c'est possible. Une base de cartes, remarquez, je peux la faire avec vous. Hein. J'en ai pas pour super longtemps. Hop, j'ai voulu bien les mettre. Je les ai. Hop, je les défais. Je peux même prendre une base ici pour faire une carte. Ouais. Dans un des fonds. Hop. Alors. Merci. Ah, ça peut être sympa, hein, ça. J'hésite. Alors ça, c'est sûr, je vais pas la découper. Celle-là, je l'aime beaucoup. Pom-pom-pom. Ah, j'hésite. Comme d'hab, hein. Je
vais plutôt aller voir dans mes fonds, dans les grandes de fond. Parce qu'il y a les autres, elles ont une illustration derrière et je me dis c'est dommage. Comme je les ai pas très très bien rangés. Et les fonds, c'est plutôt ceux-là. Ouais, je vais prendre ce fond-là comme il y en a. Oups, pardon. Comme il y en a deux, je vais plutôt prendre ce fond-là. Prendre les fleurs là, c'est très joli. Donc ça fait combien ça déjà? Bah c'est une feuille à 4. Je suis bête, je suis bête. Oui, mais on va faire ça. Oui, je suis en train de me parler toute seule dans ma tête. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je discute avec moi-même. Donc, on va prendre. Mais des fois, ça, j'arrive pas à le relever. Là. Ça m'agace des fois un peu. Ça. Voilà. 14,7, on va dire. Ah oui, parce que ça fait 29. 21, 29, 7. 21, 29, 7. Ça fait 30 cm moins 3 mm. Donc ça fait 15 cm moins. Oui, bon, allez, hop, on va pas chipoter pour 2 mm. Hop, c'est fait. Voilà, on n'en parle plus. Ah, le problème. Ah, mais non, ça va pas. Parce que le problème, c'est que si je plie en deux, l'ouverture, elle n'est pas dans le bon sens. Eh ben non. Ah bon, bon, bah tant pis, ça sera les fleurs à l'arrière. Comme ça. Non, je voulais les fleurs, moi. Non, je vais recouper et je vais prendre une base de cartes classique. Ouais. 10,5, donc je vais prendre que 10. 10 sur 14. Ouais, je vais prendre que 14. Ah là là. 10 sur 14. Voilà. Ça sera mon fond. Et je vais prendre ma chute là de papier. Vous voyez, c'est là où j'ai découpé mon truc en entier. Et là, pour le coup, je vais prendre 15 cm. Voilà. Hop. 15 cm. Normalement, on veut le plier en deux. Ça devrait le faire normalement. Bon, je vais recouper un petit peu là parce que il y a plus d'espace dans la hauteur que dans la largeur, donc je recoupe en une petite languette, un demi centimètre je pense. Je pense que ça devrait suffire. Ouais, ça me va. Ça me va, ça me va. Donc, je vais faire un rappel comme j'ai fait sur les étiquettes. Je vais venir ancrer ma base de cartes. Hein. C'est pas ça. Oh, mais j'en veux pour utiliser celui-là. Hein. C'est un truc de fou. C'est celui-là. Hop. Bah là j'ai pas grand chose à vous dire hein, à part que j'en mets un peu partout. Et voilà. Je me demande si j'en mettrais pas un petit peu aussi sur le bord du décor. Allez, on voit. Ouais, ça peut le faire.
un petit rappel du coup. Voilà, voilà. Tac. Donc ça, je vais venir le mettre sur ma carte, sur ma base de cartes, plus précisément. Je le mets en mousse. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et puis en plus la mousse, là, j'en ai plein. Enfin, mon tube, c'est pas un tube, c'est un rouleau. Mon rouleau, il est bien rempli. Donc, on y va. Allez, j'arrive pas. Voilà. Je vais venir le placer sur ma base. Voilà. Déjà, c'est très joli tout seul. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je vais pas mettre les 4, hein. Je crois pas qu'il y ait besoin de mettre les 4. Je pense que je vais mettre que un seul. Ouais. Je vais mettre que une petite étiquette là. Hop. Et voilà. Franchement, c'est vraiment très mignon. J'aime beaucoup. Je vais peut-être ajouter quand même un petit nœud quelque part. Ou un petit papillon, tiens. Je vais faire des petits papillons en craft. Ah oui, j'ai acheté des dies. J'ai des dies papillons, je vais les utiliser. Ouais, je vais faire ça. Je vous retrouve. Hein, je fais mes dies, mes découpes et je vous retrouve. Voilà, j'ai découpé. Ah bah celui-là, il est un peu dépassé. C'est pas très grave, ça a bougé au moment où je les ai mis dans la machine. Hop, donc celui-là, il est très joli. Hein. Une fois découpé, je le trouve très joli. Donc j'en ai un, deux, trois. Voilà, je vais les plier en deux, voilà, de chaque côté du corps, hein, du papillon, comme ça. Je vais venir ancrer, bien sûr. Très léger. Voilà. Et je vais venir le coller quelque part. Sur la fleur, sur le côté de la fleur comme ça. Ouais, sur le côté de la fleur, c'est peut-être pas mal. Je vais essayer de coller que le corps. On verra bien. Si ça tient pas, je collerai une des deux ailes. Là, j'ai dû mettre un peu trop de colle. Ouais, voilà, c'est pas mal. Peut-être je vais en mettre un autre. Celui-là, il me plaît beaucoup. Allez, celui-là, il me plaît beaucoup. On va le mettre et après, je vous laisse
tranquille. Je le plie un peu pour lui donner de la forme. Ouais. Non, je vais coller une aile là cette fois pour être sûr que ça tienne. Voilà. Il n'en manquerait pas un par là. La fille qui peut plus s'arrêter, vous savez. Hop, je vais en mettre un autre par là. Voilà. Je vois rien avec mes lunettes. Par ici. Voilà, et ben c'est très très mignon, j'aime beaucoup. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai pas utilisé celui-ci avec le mot cirque, parce que je trouvais qu'il y avait rien qui faisait cirque dans ce que j'ai choisi, mais dans le reste, avec les personnages et tout, il y a ce qu'il faut. Donc voilà, une petite carte avec des dice de chez Love Art, des dice de chez Action et le papier de chez Sandrine Baïsan. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite.